live, c'est l'initiative du ministre de la sport. Bienvenue à tous. Merci. Initiative, grande initiative du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative. Juste quelques jours avant, une rencontre très très intéressante, très très importante pour les Panthères du Gabon. Ce sera jeudi, ce sera face aux Scorpions de la Gambie. On reviendra tout à l'heure sur les contours de cette rencontre, le côté important, le côté même décisif de cette double confrontation. Freddy, bonsoir. Salut mon cher Berlec, quel plaisir de se retrouver en direct de la page Facebook du ministère de la Jeunesse des Sports chargé de la vie associative. On remercie d'ailleurs le ministre qui a accepté cette initiative-là de médiatiser ou de mettre une lumière exceptionnelle sur ces Panthères du Gabon qui préparent un match qui est important ici. Moi ça me rappelle un tout petit peu l'épisode de 2009 quand le Gabon était en phase éliminatoire, alors que le Gabon était en super posture, il y a eu un break qui était consécutif malheureusement au décès du feu président Omar Bongo, et quand on avait repris, malheureusement on n'était pas dans le même rythme, mais on se retrouve à peu près dans la même situation. Les Panthères ont super bien démarré cette phase éliminatoire ex aequo avec la Gambie, et finalement on tombe sur l'adversaire qui est notre alter ego dans cette poule là et c'est une poule qui va évidemment se jouer jusqu'à la dernière minute, parce qu'on le sait, derrière la Gambie et le Gabon il y a la RD Congo et il y a l'Angola qui n'est pas encore morte. Alors, on va donc essayer de décrypter, de regarder de plus près cette équipe des Panthères qui s'entraîne ici. On n'a pas situé, hein, on est au stade Augustin Monédan de Siban. Donc, pour la séance de travail, la séance d'entraînement des Panthères, la seule d'ailleurs ici à Libreville, parce que dès demain, les Panthères vont s'envoler du côté de Franceville, parce que la rencontre aura lieu du côté du stade Rénovation. On ne sait pas si le stade s'appelle d'ailleurs Rénovation toujours, mais le stade de Franceville qui a été là aussi rénové, retravaillé pour la séance. Constance, on a vu quelques messages du ministre d'ailleurs qui était très heureux, très content de l'état dans lequel se trouve le stade de Franceville en ce moment, et pour permettre donc à ces Panthères-là d'avoir un espace de qualité pour pouvoir jouer cette rencontre-là à venir, donc face à cette équipe de la Gambie. Les Panthères face aux Scorpions, ça va donner quoi quand on se souvient il y a quelques semaines simplement que le Gabon a été battu par le Bénin 2-0 alors que les éliminatoires avaient été bien entamés par cette équipe des Panthères. On a eu quelques frayeurs, mais là aussi il y a eu quelques assurances derrière cette frayeur, parce qu'il y a eu des grosses absences quand même. On a noté Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, Biogo Poko. On a récupéré quelques-uns, mais il y a toujours d'autres absences qui sont restées un peu comme chroniques, notamment Mario Lemina qui ne sera pas de la partie. Et ça, c'est inquiétant, mon cher Freddy. C'est inquiétant de savoir, et d'ailleurs c'est une information officielle que vous avez en direct de la page Facebook du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de la vie associative. Mario Lemina, selon les informations que nous avons reçues du staff technique, notamment du médecin des Panthères du Gabon, ne sera pas présent pour ce rassemblement. Une énième absence. Après cette absence, vous avez signalé à Lisbonne pour l'amical qu'il y a quelques semaines. Il n'y aura également pas notre ami Maï, Kevin Maï, dont on avait espéré les grands débuts en compétition officielle avec les Panthères à Franceville. Il ne sera pas. Il faudra attendre encore un tout petit peu pour voir l'ancien joueur de Brest. Il n'y aura vraisemblablement pas également le tonitruant Aaron Boupenza, qui fait partie d'ailleurs des rares joueurs qui ont marqué dans ces phases éliminatoires. Souvenez-vous de ce beau but de la tête d'Aaron Boupenza avec un salto qui s'en est suivi comme des célébrations, comme il en fait pareil comme Aubameyang. Mais on se rend très bien compte qu'aujourd'hui, malgré le fait que pour l'instant Lemina ne soit sûr de ne pas venir, pour l'instant, on sait que Boumpenta ne sera pas, Maï ne sera pas là. On garde toujours pour l'instant un équilibre dans l'effectif, ce qui est un tout petit peu différent de ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Lisbonne, parce que c'était un hécatombe littéral. Et on sait qu'il y a eu cet hécatombe-là parce que la particularité de cette rencontre-là, c'est qu'elle était pendant la période où le Covid est en train de redémarrer en Europe. À Lisbonne, c'était un peu plus drastique tout ce qu'il y avait comme mesures sanitaires, etc. Mais là, la rencontre est différente parce qu'on joue chez nous, on joue en Afrique avec un dispositif technique qui est différent. Il faut dire aussi, on a la chance d'être dans un pays où les conditions sanitaires sont scrupuleusement respectées. Il y a eu un gros investissement de l'État gabonais en ce qui est des conditions sanitaires, du matériel sanitaire. On est à la pointe de la technologie pour la riposte face à ce Covid-là. Donc évidemment, il y a moins de peur à avoir quant à la sécurité sanitaire autour de ce match-là. C'est pourquoi aussi, je pense, beaucoup de clubs professionnels n'ont pas rechigné à envoyer leurs joueurs. J'ai un petit clin d'œil d'ailleurs à Arsenal qui avait envoyé, je l'avais dit sur ma page Facebook, envoyé
un mail à la Fédération Gabonaise de Football pour lui demander si effectivement il y aurait des garanties sécuritaires sanitaires autour de Pierre-Emerick Aubameyang. La Fédération a répondu oui par son médecin. On est donc content. On sait que Pierre-Emerick sera des nôtres d'ici mercredi au plus tard. Je pense qu'il arrivera le mardi et va directement prendre l'avion pour Franceville. Mais tout ça, on va vous égrener le programme des Panthères et l'agenda des Panthères pour les prochains jours. Mais encore une fois, je pense que c'est un match décisif, un match charnière. C'est une sorte de quitte ou double parce que c'est un match aller-retour avec l'adversaire le plus fort avec nous dans le groupe. Il faudra se battre, il faudra bien se préparer. Et la préparation, on a le bonheur d'y être avec vous en live sur Facebook. Juste une petite consigne, partagez le live Facebook du ministère des Sports. Likez si vous voulez, mais surtout, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit commentaire ou à poser quelques questions. Berlek Lekoba ici va pouvoir vous répondre parce que derrière, on a les oreilles un tout petit peu partout avec évidemment notre technique Fabas Bekale qui a la technique et puis mon cher Wallace qui est à côté. Allez, dispositif impressionnant pour cette séance d'entraînement. Donc vous l'avez mentionné, vous avez mentionné quelques noms, mon cher Freddy. Pour parler de notre adversaire de jeudi, on va rappeler quand même le classement à cet instant au point de ce groupe D qui est mené donc par cette équipe de la Gambie avec 4 points, goal average plus 2. 4 points également pour le Gabon qui est deuxième avec plus 1 à la différence de but. Et puis la RDC, la République démocratique du Congo qui se classe troisième avec 2 points. Points, différence de but plus 2. Et puis l'Angola qui est classé 4e avec 0 points plus 2. L'Angola qui avait été surprise en ouverture de ses éliminatoires par la Gambie, justement 2 buts à 0. 2 buts à 0, oui, du côté de Luanda. Donc grosse séance de rattrapage certainement pour la plupart des équipes en ce moment parce que bien sûr il va falloir se battre sur les prochaines rencontres pour pouvoir remonter un petit peu la pente. Et pour revenir sur cette équipe du Gabon, 0 à 0 du côté de la RDC donc lors de l'ouverture. Et puis 2 buts à 1 face à l'Angola, c'était déjà à Franceville. On se rappelle ce but superbe d'Aaron Boupenza. Et puis ce deuxième but de Denis Bouanga avant que, évidemment, on encaisse ce but angolais à la 84e minute. C'était un petit peu embarrassant. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on soit aujourd'hui juste derrière la Gambie. Alors, en parlant de frayeur, en parlant de petites peurs, on a également annoncé une petite blessure de Gaylor Kanga. Et hier, dans le derby en France entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, il y a également Denis Bouanga qui aurait eu quelques petits soucis vers la fin de la rencontre. Est-ce qu'on a quelques nouvelles de ces deux joueurs, mais surtout de Gaylor Kanga qui était sorti sur un petit peu sur une cheville? Vous parlez de Gaylor Kanga Kaku, d'ailleurs cette pelouse qui est sous votre image, mesdames, messieurs, est l'une des pelouses, si vous ne le savez pas, qui ont vu grandir, qui ont vu apparaître cette sorte de mobilette footballistique. Kanga Gaylor, il a joué notamment au CF Mounana, il a été aussi à Manga Sport. Gaylor a connu une trajectoire fulgurante. Je pense qu'il rejoindra l'équipe dans deux jours, le mardi également, parce que le lot de l'équipe, pour vous parler des chiffres également, il y a 16 exactement sur les 23 qui sont présents. Quand on enlève les absents, évidemment, qui vont être substitués, on sait déjà que Aaron Apindongoy a été substitué par le jeune Asumu Akwe. C'est peut-être numériquement, mais pas forcément du poste pour poste. Il y a 16 joueurs dans l'effectif des Panthères qui ont rejoint la tanière, comme on le dit, dans ce bel hôtel au centre de la capitale gabonaise. Et évidemment, les blessures sont inquiétantes. La blessure de Kanga Gaylor, c'est une blessure minime, parce que j'ai vu sur quelques infos, notamment du club notamment de l'Étoile Rouge de Belgrade, qu'il n'y avait pas d'inquiétude par rapport à Kanga Gaylor, une inquiétude qui aurait pu nous donner des frayeurs et nous dire que Kanga ne sera pas là. Mais Kanga, je pense qu'il sera là et il aime la sélection. Il aime tellement la sélection que les rares moments où il n'y a pas été, il a été triste. J'ai eu la chance d'ailleurs d'aller le voir jouer au Sparta Prague. Il était triste à ce moment quand il venait pas en sélection. Et maintenant qu'il est revenu, qu'il soit blessé ou pas, il sait que ce sont des moments importants, des moments ultra importants. Et je pense que le mardi, il viendra en compagnie certainement de Denis Bouanga dans le même avion et Pierre-Emerick Aubameyang. Ils seront 4 ou 5 joueurs des Panthères qui vont rallier l'équipe. Et
pour le début de ces entraînements et surtout de cette préparation. On voit bien que Patrice Neveu est obligé de faire avec les 16 présents ici, avec son staff technique. On voit très bien que là, ça va être le début de l'échange d'abord, comme ça se passe. Je pense que vous avez joué suffisamment au football, même si c'était à un petit niveau, pour comprendre que voilà, les séances d'entraînement ou les débuts de regroupement commencent toujours par un speech. On le voit très bien, même en professionnel, ça marche comme ça. Même dans d'autres équipes nationales, ça marche comme ça. Ça va être un petit speech, ça va être un échange, ça va être l'échange des chasubles. Il donnera en fonction du choix tactique qu'il veut mettre en place et surtout des débuts de l'entraînement des couleurs différentes et distinctives pour chaque joueur, joueur de champ et gardien. Et évidemment, je pense que les gardiens vont se mettre de côté avec l'entraîneur de gardien et ensuite il travaillera peut-être compartiment par compartiment. Dans ce genre de match-là, la difficulté, c'est le timing de préparation. Mon cher Belek, vous le savez très bien, ce match est particulier. La préparation va se faire en 2 jours, maximum 2-3 jours, parce que évidemment la veille du match c'est la répétition générale, donc il aura que le lundi Patrice Neveu pour travailler fondamentalement la tactique qu'il veut mettre en place et surtout l'entraînement du mardi qui va se dérouler non pas à Libreville mais qui va se dérouler du côté de Bongoville, un stade que vous connaissez bien avec ce bel hôtel de Heliconia construit pour l'occasion de la CAN 2012, mais il va y avoir en tout cas des jours de journée restreinte pour préparer cette double confrontation. Je ne sais pas si c'est inquiétant, mais en tout cas, je pense qu'il a été aussi une vraie répétition générale le fait d'avoir été à Lisbonne, d'où l'intérêt évidemment de faire des matchs amicaux, je crois. Bien sûr, mon cher Freddy. Mais il y a quelque chose de rassurant. On va faire un petit bilan comptable hein, de Patrice Neveu depuis qu'il est à la tête de cette équipe des Panthères du Gabon. Patrice Neveu, on va le dire, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et la défaite, c'était la dernière face à cette équipe du Bénin. Donc il y a quand même quelque chose de rassurant depuis que le technicien français a pris les rênes de cette équipe des Panthères du Gabon. On était quand même sur une dynamique croissante avant donc de retomber un petit peu face au Bénin. Mais là, on a de bonnes raisons de penser que l'équipe du Gabon était un peu démunie. Il y avait des artificiers qui n'étaient pas là. On a noté, on a mentionné tout à l'heure Pierre-Emerick Aubameyang qui n'était pas présent. Et quand il n'est pas là, bien sûr, c'est intéressant, mon cher Béalac. Quand Aubameyang joue avec les Panthères, on a 82% de chances de gagner. Et quand il ne joue pas, on n'en a que 42% de chances. Donc ça change fondamentalement la donne. Quand la star de notre équipe est là, la star évidemment. Star, est devenue une star planétaire, mais aujourd'hui ça fait partie du quota du football mondial et sans aucun doute pour cette saison il est certainement les 2-3 meilleurs joueurs africains depuis évidemment les 2-3 dernières années. Allez, on espère qu'il va venir se relancer aussi du côté des Panthères parce que en ce moment ça ne marche pas très 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 fort du côté de la première ligue, parce que Pierre-Emerick Aubameyang c'est pour l'instant 2 buts en première ligue pour 8 journées de championnat. On sait que la saison dernière ça marchait très très fort pour les 2 dernières saison d'ailleurs, donc il y a une petite pente descendante. C'est aussi l'occasion de revenir se ressourcer un petit peu au pays avec la sélection nationale avant de remonter, donc repartir du côté d'Arsenal avec les batteries complètement chargées. On espère que évidemment Pierre-Emerick va nous planter quelques buts qui vont permettre au Gabon de repasser devant cette équipe de Gambie et à Franceville et à Banjul, parce que le match retour c'est dans 4 jours seulement du côté de Banjul. Donc on joue à Libreville le 12 jeudi et le 16 on sera du côté de Banjul pour le match, on va dire le match retour, c'est presque ça. Oui, ça va jouer, mais ça va aller très très vite parce qu'on sait qu'on joue le jeudi à Franceville. Et pour vous parler de l'agenda des Panthères du Gabon, ils ne reviendront pas dormir à Libreville en prenant l'avion et venir à Libreville. Ils vont venir à Libreville et faire une petite escale et ensuite enchaîner sur Banjul pour gagner en peut-être 24 ou 48 heures de répit avant évidemment de se plonger sur le match du lundi qui sera d'ailleurs un match tout aussi important que celui de Franceville. Et pour revenir sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang, évidemment cette saison a été une saison un tout petit peu différente de la saison précédente. Pourtant Arsenal s'est plutôt bien renforcé avec Partey au milieu. Arsenal s'est renforcé aussi en défense avec le joueur de Lille qu'ils ont pris et qui tient bien la baraque derrière. On a vu qu'Arteta, après la victoire d'Arsenal en FA Cup, ils avaient réussi à créer une dynamique autour d'Aubameyang pour le faire re-signer une sorte de prolongation de contrat qui lui va plutôt bien parce que on est pas mal côté monétaire. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, l'équipe actuellement est bâtie autour de Pierre-Emerick Aubameyang. L'équipe est bâtie pour jouer le top 5 de la Premier League. Mais le début de saison d'Arsenal n'a pas été terrible. Aubameyang s'est distingué sur la première journée déjà en inscrivant un superbe but. On avait dit que voilà, on se disait il serait dans l'élan de la saison précédente. Et après la signature malheureusement de son contrat, je ne sais pas si, comme on dit au village, c'était peut-être un petit dada. Mais le fait qu'il ait signé la signature l'a peut-être replongé un tout petit peu psychologiquement
moment, il y avait peut-être une sorte de surdose émotionnelle avant et après la signature de contrat qui a fait qu'il a fait un petit passage à vide. Il a marqué en Europa League la saison d'avant et la semaine d'avant. Et puis après, il a marqué, Dieu merci, face à Manchester United, qui était son but après 4 journées de Première Ligue. Donc ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu une disette aussi longue. Il avait passé, je pense, 5 journées sans marquer. Ça faisait longtemps, ça faisait quoi 5 ans qu'il n'avait pas fait 5 matchs sans marquer. C'est dire qu'Aubameyang a besoin de confiance. Et cette confiance-là, je pense, il peut la gagner à nouveau avec les Panthères du Gabon. Parce que quand il est au Gabon, ça change fondamentalement son état d'esprit, son attitude, et peut-être qu'il fera un petit tour du côté de Mivoul, revoir les ancêtres, discuter avec les grands-parents, ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas, mon cher Freddy. Là, on revient ici au stade Augustin Mounedan. Pour ceux qui nous rejoignent juste à l'instant, vous êtes sur la page Facebook du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative, qui vous offre donc la possibilité de regarder en direct sur sa page Facebook cette séance d'entraînement des Panthères du Gabon. Alors Freddy, vous avez joué jusqu'à un certain niveau, je ne vais pas exagérer quand même, hein, mais on regarde un petit peu. Tout à l'heure, vous avez mentionné qu'on devait commencer par un discours, comme toutes les séances d'entraînement d'ailleurs, tous les regroupements possibles. Et là, on voit Patrice Neveu qui est au centre en train de distiller quelques mots au groupe qu'il a sous la main. On peut penser à quelques mots, on peut imaginer un petit peu le contenu de ce discours. Oui, j'ai eu la chance d'ailleurs, souvenez-vous, j'ai été, moi, Freddy Goula et la radio Strix 103, pour ne pas faire de la publicité, et vous, Berlec, à l'initiative de l'une des premières interviews radio de Patrice Neveu, parce que son parcours peut augurer quelques doutes, notamment en termes d'engagement, parce que c'est un homme de principe, c'est un gagneur dans l'âme et surtout quelqu'un qui a de la personnalité. Et cette personnalité-là s'est reflétée tout au long de son parcours, et notamment en Guinée-Conakry, où il avait la sélection à une période de sa carrière. Il avait claqué la porte de la sélection. Ensuite, il est revenu pour entraîner Oroya FC, et ensuite il est parti parce qu'il ne s'entendait plus trop bien avec M. Antonio Soare, qui est le président d'Oroya. Il a de la personnalité, il a du caractère, mais surtout, il sait imposer un style. Évidemment, on va se dire que c'était peut-être du bol et de l'engagement, l'envie de reconquérir qui a prévalu lors des premières rencontres et ses premiers matchs éliminatoires. Mais il y avait aussi la patte neveu, c'est-à-dire le sérieux. Et le sérieux passe d'abord par la préparation à l'entraînement. Et contrairement, peut-être, pour ne pas critiquer les précédents, j'en ai échangé avec quelques footballeurs qui disaient qu'il y avait une vraie différence dans le contenu d'entraînement, dans l'abord et dans l'échange que lui a avec les joueurs. Chaque footballeur et chaque joueur qui vient en sélection nationale, il les a pris chacun individuellement pour échanger, pour expliquer sa philosophie. Et généralement, avant ces séances d'entraînement, il explique comment est-ce que la semaine va se dérouler, ce qu'il attend journée après journée de chaque compartiment et de chaque joueur, et il explique les responsabilités de chacun. Et il fait aussi un discours d'harangueur et des gagneurs, parce que lui sait l'importance de ce type de match-là. Il en a joué des périodes éliminatoires pour la CAN. Il en a joué d'ailleurs des CAN également. Il sait ce qui est important dans ces moments de charnière. Il sait que ces types de matchs-là, double confrontation, sont des matchs où il ne faut pas se louper, qui plus est à domicile. Et en plus, on a eu une situation inédite. Les joueurs se sont arrêtés. Ça faisait 11 mois que les Panthers n'avaient plus rejoué. Ça faisait 11 mois donc qu'il était loin de son effectif. 11 mois que ces joueurs ne se sont plus retrouvés sur un terrain de foot. La dernière fois, c'était en novembre 2019. Donc on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de travail psychologique, du travail de concentration. Et je pense que son discours, et comme il a pu me le dire sur une des radios quand on l'avait eu en interview, qu'il faut beaucoup axer le travail sur la préparation mentale, qu'on reste concentré, parce qu'individuellement évidemment on est beaucoup plus fort que les Gambiens, mais être beaucoup plus fort théoriquement ne signifie pas qu'en pratique on va l'être fort. Pour être fort et plus fort que quelqu'un, il faut le prouver sur le terrain, et c'est pas le travail que ça va passer. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de leur dire. On va peut-être lui demander à la fin le contenu de son échange, mais je pense qu'il va les haranguer un peu, leur demander d'être concentré, sinon derrière il y aura des sanctions. Allez, pour ceux qui nous regardent, hein, grâce à la page Facebook du ministère, on va les situer un petit peu, parce qu'on voit du jaune d'un côté, du rouge et du vert de l'autre. Sachez que du jaune, c'est tout le staff technique avec Patrice Neveu et tous ses adjoints, bien sûr. Et puis en rouge et en vert, ce sont les quelques joueurs qu'on a sous la main. Et j'en profite d'ailleurs, Freddy, pour vous poser la question, qui on a sous la main en ce moment dans cette équipe? On sait que Pierre Emerick n'est pas là, Denis Bouanga n'est pas encore arrivé, parce qu'hier, Saint-Etienne jouait face à l'Olympique lyonnais. Gaylor Kanga a fini un petit peu sur une cheville, donc on l'attend d'ici à mardi prochain pour rejoindre le groupe. Mardi ou mercredi?
Ouais, je pense qu'il sera là le mardi, mais comme on dit, tu sais, un tout petit peu partout, que ce soit à Mwanda, parce que les gens le regardent à Mwanda actuellement, habite à Maouye, mais même à Tibanga ou à Mwabi, il mettra un peu d'eau chaude. Parce que vous le savez, on a aussi, nous aussi, nos traitements curatifs qui nous permettent de tenir à des moments importants. Mais sur la pelouse, on voit très bien que pour l'instant, la colonne vertébrale n'est pas tout à fait formée, parce que Ekwele Manga n'est pas encore là. Didier Ndong, il est là, il est à Libreville, Didier Ndong, mais là, on voit sur la pelouse le jeune Sidney Obi. Bissa qui est à Ajaccio, on aperçoit évidemment l'actuel gardien titulaire qui a la grâce de suppléer Didier Ovono Ebang, à qui on fait un petit coucou Didier, parce qu'évidemment on a une vraie pensée pour lui, pour tous les services rendus. Et là c'est Anthony Famezui qui est là. Anthony Famezui qui remplace. Et puis évidemment il y a le jeune Assoumou Akwe, on aperçoit Johan Wachter, on aperçoit également Jim Alevina, il me semble, on aperçoit Johan Obiang, on aperçoit Lloyd Palin, qui pour moi, sur les 5 dernières années, a été l'un des meilleurs joueurs de notre sélection. Parce que souvenez-vous, les débuts de Lloyd Palin n'ont pas été terribles. Il avait commencé les sélections du Gabon avec des sélections de moins de 23 ans. Ensuite, il avait enchaîné avec la CAN 2012. Ça a été pas mal. À cette époque-là, il jouait au milieu de terrain. Milieu de terrain, milieu récupérateur. Voilà, milieu récupérateur. Ensuite, il avait été replacé à Nice, notamment par Claude Puel, ce qui a finalement été entériné comme son poste de prédilection. Il est aujourd'hui arrière-droit confirmé. Il est passé par le Red Star. Il est revenu aujourd'hui en France. Il a de l'expérience et ça fait partie des piliers. On s'en rend peut-être pas compte, mais Lloyd Palin est un des vrais piliers de cette sélection. Et quand il est présent le premier jour du rassemblement comme ça, on est tout à fait content. Et on est content de voir aussi de nos jeunes joueurs, comme on l'a dit tout à l'heure. On est content de voir le jeune Sidney Obisa. Au fur et à mesure, on vous indiquera qui est en vert, qui est en jaune, pour que vous compreniez bien qui est présent aujourd'hui. Mais demain, l'effectif sera un peu plus comblé. On aura peut-être 18 joueurs demain. Et puis le mercredi, on aura l'effectif au complet avec l'arrivée de Pierre-Marie Aubameyang, dont le père a certifié évidemment, pour ceux qui avaient encore un tout petit peu de doute en pensant qu'Arsenal l'aurait traîné, qui pensait peut-être que Pierre-Marie Aubameyang ne viendrait pas, peut-être parce qu'il en manque de confiance ou peut-être parce qu'il snobe la sélection. Non, il me semble, des quelques échanges que j'ai eu avec lui et avec son père, Pierrot aime cette sélection. Il sait ce que le Gabon lui a donné, parce que souvenez-vous, quand Pierre Aubameyang est arrivé en sélection nationale en 2009, il n'était pas le Pierre-Emerick Aubameyang d'aujourd'hui, et je pense, et il sait en son âme et conscience, que le Gabon lui a offert de grandes opportunités pour signer à Saint-Etienne, pour signer ensuite à Dortmund et pour signer en Première Ligue. Parce que souvenez-vous, quand on est étranger, on ne peut signer en Première Ligue que lorsqu'on a un statut international. Évidemment, il a un passeport européen, mais Pierrot a aussi cette stature internationale mondiale. C'est parce qu'il s'est aussi affirmé avec les Panthères du Gabon, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Gabon en Coupe d'Afrique des Nations, et ça c'est pas mal. Allez, vous faites bien de rappeler ce petit passé très intéressant, surtout en ce qui concerne Pierre-Emerick Aubameyang. On se souvient d'ailleurs de cette rencontre, la toute première de Pierre-Emerick, c'était du côté du Maroc, victoire 2-1 pour le 3-1, pardon, pour le avec un beau but de Pierre Aubameyang. On aura donc l'occasion de revenir sur les joueurs qui sont sur la pelouse quand ça va s'éclater un petit peu tout à l'heure, parce que là, rassemblés comme ça, on a du mal à reconnaître toutes les têtes. Donc progressivement, lorsque ça va s'éclater, ça va, lorsque chacun aura retrouvé un petit peu sa place sur le côté, évidemment, on aura l'occasion de vous donner en détail le nom de chaque joueur. Vous voyez juste derrière, le dernier à retrouver un petit peu le groupe en jaune, vous l'avez vu s'avancer, c'est le directeur technique national, Raphaël Nzamba, voilà, qui accompagne évidemment Patrice Neveu dans ce travail. Entraîneur adjoint, il a été entraîneur adjoint, il me semble, d'Alain Giresse à l'époque. DTN, c'est un métier qu'il connaît parfaitement, mais il a entraîné aussi des clubs au Gabon, Raphaël Nzamba. On pense notamment à son équipe de Mounadi 67 à l'époque, une équipe qui jouait superbement bien. Et évidemment, aujourd'hui, il est directeur technique national. Il supplée José Garrido, qui était sur les dernières années directeur technique national. Aujourd'hui, on a nationalisé le poste et on est bien content de voir qu'il y a aussi des nationaux dans ce staff technique, même si aujourd'hui, l'entraîneur adjoint, on le sait tous, de Patrice Neveu, à titre Anis Ayala, qui a aussi, lui, une vraie patte technique avec ses U20 qu'il faisait jouer parfaitement bien. Et qui a beaucoup parlé du côté de Mangasport d'ailleurs. Hein, énormément. Au côté de Médard Loussalousou, non, pas sûr. Mbo Bounjouni, je crois. Voilà, et qui a formé une patte, un groupe très important, très intéressant avec Kevin Johnny, qui lui avait donc réussi à grimper, à prendre les marches supérieures et qui est aujourd'hui entraîneur de l'Est
Manga Sport. Donc, Anissé Yala qui a l'habitude de me dire qu'il faillit à la préparation, prépare sa faillite. Donc, c'est tout à fait clair. On est content de retrouver Anissé là parce que c'est un des techniciens, évidemment, dans ce pays sur lesquels il faut le plus compter parce qu'on sait très bien que l'ancienne génération de Claude Bourouno, l'ancienne génération de Costa Suarez et tous les anciens, d'ailleurs, qui ont été reçus, et un petit coucou d'ailleurs au président de la Fédération Gabonaise de Football, Pierre-Alain Mungengui, qui a reçu et donné des parchemins en guise de reconnaissance à quelques anciens entraîneurs et encadreurs lors d'une réunion de l'Association Nationale des Encadreurs. C'est un vrai mérite et une vraie reconnaissance de la part de la Fédération Gabonaise de Football. J'espère que Deray avait de petites enveloppes, parce qu'on le sait qu'aussi quelques anciens sont en difficulté. On pense notamment à M. Da Costa Suarez, qui a fait une sortie récemment en disant qu'il était en difficulté. Il faut aussi qu'on sache reconnaître le mérite de ceux qui sont passés, que ce soit les anciens footballeurs et les encadreurs. Et on est heureux de voir que dans l'encadrement, il y a M. Patrice Neveu et son entraîneur de gardien qui sont certes des étrangers, mais on a des nationaux comme Domar Colino, qui certes n'est pas entraîneur, il est une sorte de référent Europe pour pister les joueurs à l'étranger pour voir leur performance, étant donné que le coach ne peut pas être partout. On a Anissé Yala, bien évidemment, qui est entraîneur adjoint, mais on a aussi et surtout le père de l'autre, et qui est d'abord évidemment le premier du nom, Pierre Obama, pour ne pas dire Papa Pierre, comme beaucoup l'appellent. Évidemment, il est dans ce staff-là comme le garant managérial, évidemment, c'est le manager général de cette équipe nationale. Pierre Obama, qui lui d'ailleurs, on le sait, hein, il est très proche de son fils. On sait aussi qu'on lui doit la venue de Pierre-Emerick Aubameyang en sélection nationale du Gabon. Pierre Obama, évidemment, c'est qu'on voit à l'image d'ailleurs. Voilà, qu'on voit à l'image d'ailleurs, qui a dû militer pour que son fils ne choisisse pas la France, parce que souvenez-vous, quand Aubameyang a décidé de venir au Gabon, il jouait déjà avec les espoirs français. Et il a dit, hey, petit, il faut venir jouer au pays. Et il avait joué notamment à la CAN 2010, il était encore trop jeune, et ensuite il enchaînait les prochaines CAN. Pierre Obama, qui évidemment, je pense, était un pilier dans la restructuration de ses Panthères du Gabon. On sait qu'il a occupé les postes d'entraîneur adjoint. Il avait d'ailleurs entraîné une sélection des moins de 23 ans. Sa proximité avec son fils permet à son fils d'avoir une confiance supplémentaire et de ne pas faire de chichi, comme on dit. Et il sait très bien, son fils, que quand papa est là dans le staff technique, même si ça peut sembler démagogique, il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il a le droit de respecter la nation, parce que oui, Pierre Obama a respecté cette nation. Il est de ceux qui ont fait gagner au Gabon ces rares trophées, les deux trophées qu'on a eu notamment dans la sous-région. Donc on est content d'avoir ces nationaux, et l'entraînement débute évidemment par un petit trot, une sorte de petit trot, avec d'un côté les joueurs de champ qui font le tour du terrain, et puis de l'autre côté ce qu'on appelait les tours de piste à l'époque. On termine avec Pierre Obama. Bon, c'est déjà terminé, voilà, on a parlé de Pierre Obama, le père. On va parler un petit peu des trois gardiens qui sont là à l'échauffement, et que nous allons voir à l'image grâce à Fabrice Bécalé, qui va nous montrer donc les trois gardiens qui sont à l'échauffement. Il y a Stéphane Bitseki Moto, bien sûr, l'ancien Bitam, on ne va pas le reconnaître. Stéphane Bitseki, qui est passé par l'Union Sportive de Bitam et qui est passé par le CF Mounana, un club avec lequel il n'a pas découvert l'Afrique. Il a également été dans sa continuité, parce qu'avec l'Union Sportive de Bitam, il avait également connu quelques coupes d'Afrique des clubs. Avec Mounana, il a passé de poule de Coupe de la CAF il y a 3 ans de cela. Exactement. Face au Tout-Puissant Mazembe, face à Super Sport, et il a fait de très bonnes prestations, même si évidemment cette équipe de CF Mounana n'avait pas réussi, ou avait pris un petit peu de l'eau surtout en ce qui concerne la phase de poule. C'est un bel apprentissage, Berlet, on va le dire, parce que souvenez-vous que sur les 10 dernières années, combien de clubs gabonais ont trimé pour rentrer ne serait-ce en phase de poule, et Mounana avait réussi. La dernière fois avant le CF Mounana, la dernière fois c'était le FC 105, c'était en 2005. Vous voyez le temps qui s'est écoulé entre... Oui, c'était en 2005. Donc vous voyez un petit peu le temps qui s'est écoulé entre 2005 et 2017, je crois. 2017. Oui, comme Mounana et Stéphane Bitseki, Luis Ochanga ont atteint cette même phase de poule. Donc on était sur une bonne dynamique, même si par la suite l'équipe a tangué un petit peu, certainement quelques soucis qu'on ne va pas étaler ici. On était sur Bitseki Moto, et on disait évidemment que son expérience à Mounana, à USB d'abord, ensuite à Mounana, lui a permis peut-être vers la fin de sa carrière, parce qu'il n'est plus tout jeune, Bitseki Moto, il a dépassé la trentaine, mais exceptionnellement, et d'ailleurs je pense que c'est un cas de jurisprudence, il a réussi à décrocher enfin un contrat professionnel. Et d'ailleurs le président du CF Mounana, Hervé Patrick Opianga, n'avait pas hésité un seul instant en lui disant
on ne peut que te laisser partir pour te remercier pour tous les loyaux services au CF Mounana. Et c'est depuis 2 ans, bientôt 3 aujourd'hui, qu'il est en Europe, où il continue à apprendre, il continue à progresser. Ça lui a donné aussi une autre stature en équipe nationale. On avait pensé d'ailleurs que quand Didier Ovono avait abandonné entre guillemets la sélection, ou mis de côté, il n'avait plus de club, parce que c'est une question de temps de jeu aussi. Didier Ovono qui n'a pas officiellement déclaré sa retraite, mais Bitseki Moto aujourd'hui, je pense, est un gage d'expérience, est un gage de transmission pour les jeunes. On va en parler d'ailleurs du plus jeune, qui est Junior Noubi, qui lui aussi d'ailleurs a été formé au CF Mounana avant d'aller en France, mais Anthony Pamozui. Voilà, évidemment, Junior Noubi, qui aujourd'hui est un des deuxièmes, un des gardiens pour supplier Anthony Pamozui dans sa progression, parce que clairement, Patrice Neveu a fait son choix. C'est Anthony Pamozui, le numéro 16 que vous voyez à l'écran, qui a été formé au FC Metz, qui avait, évidemment, oui, mesdames, messieurs, qui a joué en Ligue 1, évidemment. Et qui aujourd'hui a enfin sa chance, parce que pendant des années on s'est dit que voilà, est-ce qu'il aura sa chance. Il a connu une période un peu difficile en plongeant et en ne trouvant peut-être pas de club adéquat après être parti évidemment du FC Metz. Il a réussi à rebondir, il est allé en Afrique du Sud, il est revenu aujourd'hui, il est revenu en Europe et il est dans une sorte de reprise de progression. Et le fait d'avoir eu enfin ce poste titulaire en équipe nationale du Gabon lui augure et lui apporte une sorte de sérénité mentale qui lui permet de continuer à bosser et de se dire j'ai enfin ma chance, il faut que je grandisse. Et l'autre petit derrière, Junior Noubi, c'est le tout jeune, c'est le Benjamin de la bande, Junior Noubi, formé au centre de formation de Mounana. Il n'a pas joué en première division parce qu'il est parti très jeune. Il a joué chez les jeunes, il a joué chez les U15, il a fait les U17, les U18. D'ailleurs, il a été entraîné par l'actuel entraîneur du CF Mounana, ou l'intouchable entraîneur Kevin Ibinga, qui a toujours dit du bien de Junior Noubi. Il était en concurrence avec Menene, qui est aujourd'hui le gardien titulaire, logiquement, après le départ de Stéphane Bitseki Moto. Vous voyez qu'on tourne autour du CF Mounana, mais après le départ de Bitseki Moto, il y a eu évidemment le jeune Menene qui a pris la place, et aujourd'hui le jeune Noubi a sa chance enfin en équipe nationale. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau du rond-point central, parce que on en a fini avec les gardiens. Merci Freddy pour tous les détails et toutes ces précisions sur Junior Noubi, sur Anthony Famezu et sur Stéphane Bitseki. On va s'avancer un petit peu. Il y a Biogo Poko qui est là avec le groupe qui est au premier plan avec Sacha Zuble, on va dire, j'ai failli dire Octobre Rouge, mais non, c'est Octobre Rouge, qui a été soutenu d'ailleurs. Voilà, donc les deux. Voilà, donc là, on a Biogo Poko qui revient de. Qui était blessé, hein. Qui était blessé et qui, pendant quelques temps, qui est revenu avec son club et donc qui, logiquement, retrouve la sélection. On espère qu'il a toute la forme nécessaire qu'on lui connaît et peut-être même quelque chose en plus pour pouvoir affronter et attaquer ces deux rencontres avec beaucoup de fraîcheur physique, on l'imagine. On a vu, Berlec, que l'importance de André Biogo Poko au milieu de terrain, notamment lorsque. On veut muscler le jeu, on joue contre des équipes athlétiques, ça a été le cas contre le Bénin. On a besoin d'André Poko et surtout on a besoin d'un André Poko au sommet de sa forme physique, parce que c'est une bête physique. Comment il arrive à enchaîner les efforts, que ce soit en match ou en entraînement, et c'est ça qui aujourd'hui lui a permis de se maintenir au plus haut niveau. On sait, Biogo Poko, il a commencé à faire ses classes à USB, ensuite il a enchaîné sur un contrat à Bordeaux, et puis on sait très bien qu'il s'est pas exilé, mais il est allé en Turquie où aujourd'hui c'est un des piliers de son club. Évidemment, il lui reste une année de contrat et là il était en phase de reprise. Il a enchaîné d'ailleurs 2 titularisations sur les 3 dernières semaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui il a le rythme pour pouvoir jouer un match de reprise international. Et Biogo Poko, c'est quelqu'un d'importantissime dans le groupe, et ça se voit quand il est heureux, quand il est bien physiquement, ça peut faire du bien au milieu. Allez, Biogo Poko qui est donc là, on se souvient de cette rencontre du Trophée des Champions au Stade de l'Amitié entre Girondins de Bordeaux contre le Paris Saint-Germain. C'était l'homme du match d'ailleurs. Il avait reçu, je crois, un maillot, un trophée, quelque chose comme ça. Il avait reçu le trophée du match. Il avait fait une passe décisive, il me semble. Et puis, il avait pas Zlatan à l'époque, mais ils avaient perdu le trophée de champion. Un trophée de champion qui avait été à l'époque arbitré par un trio gabonais, dont Efonzolo, qui était au centre. Et puis, il y avait Erico Togo-Castan, qui était le petit coucou, quatrième arbitre. Poko, c'est vraiment le fruit de la convergence, de l'expatriation des footballeurs
footballeur gabonais. Il est parti du Gabon, il a joué en championnat gabonais, il a joué à USB, il a progressé sur ces terrains-là, il a grandi entre guillemets footballistiquement en national foot. Et puis aujourd'hui, le fait de retrouver le pays à chaque fois lui donne, je pense, une âme supplémentaire, un supplément d'âme même. Qui lui permet de continuer à rêver de ramener le Gabon en Coupe d'Afrique des Nations. Parce que oui, lui, les Coupes des Nations, il en a joué. Il a joué en 2012, Poco. Il a joué en 2015 en Guinée équatoriale. Il était là en 2017. Ça fait partie des roublards, on va le dire. Et il a encore de la fraîcheur, il a encore de l'envie. Et André Biyogo Poco, je pense, va rendre encore davantage de services sur les prochaines années. Et il a besoin de transmettre aux jeunes cet héritage de l'équipe nationale du Gabon, cet amour du maillot. Parce que lui, quand il est sur le terrain, il me semble, ne réchigne jamais sur les efforts. Et celui qui est en face de lui, évidemment, le jeune Gilles Chris, qui fait ses premiers pas en équipe nationale, doit devoir apprendre d'André Biyogo Poco, Gilles Chris Nguema, qui joue aujourd'hui en Israël, le petit défenseur avec la grande taille, avec sa jolie coiffure à côté de Levi Madinda. Il va devoir apprendre des anciens. Et cet apprentissage-là, ça va se faire de façon XXL parce que, oui, Gilles Chris Nguema va devoir apprendre très vite parce qu'avec l'absence de Aaron Apindangoye, évidemment, Gilles Chris pourrait peut-être débuter avec une place de titulaire jeudi prochain à Franceville. Allez, on va. Vous avez beaucoup de messages, mon cher Philly, auxquels vous devez peut-être apporter quelques éléments de réponse. Ils sont nombreux à nous suivre sur la page Facebook du ministère des Sports, qui nous donne donc la possibilité de regarder cette séance d'entraînement qui se déroule du côté, pour ceux qui viennent de nous retrouver, hein, du côté du stade Augustin Monédan de Siban. Tout ça, c'est à Libreville, avant donc que cette équipe des Panthères ne rallie Franceville. Ce sera demain ? Oui, ce sera demain. Bon, pour ne pas demander aux gens d'aller à l'aéroport, mais demain dans la matinée, ils prendront l'avion au tarmac de l'aéroport international Léon-Ba, ils iront direction Franceville, l'aéroport de Wenge. Évidemment, ils prendront le bus qui va les acheminer directement vers leur QG qui est en fait Bongoville et l'hôtel Heliconia. Ils vont s'entraîner là-bas le mardi pour la deuxième séance d'entraînement. Ensuite, le mercredi, ils feront une séance d'entraînement de répétition générale et la séance d'entraînement officielle de la CAF au stade rénovation de Franceville. Évidemment, pour pouvoir connaître le terrain, étudier un tout petit peu, même si c'est leur terrain, mais ils ont le devoir de s'entraîner la veille du match, ils vont s'entraîner vers 18h. Et puis peut-être qu'il y aura les conférences de presse d'avant-match qu'on essaiera de prendre en direct également, comme on a essayé de faire avec le concours de Minute des Sports, M. Fingema, qui nous a donné évidemment la possibilité de vous transmettre ces émotions palpitantes. Parce que oui, l'équipe nationale est une émotion grandiloquente pour le peuple gabonais, parce que je pense que c'est la chose à laquelle nous sommes communément tous attachés. Allez, on va demander à Fabas Bekalé de nous faire quelques plans serrés sur les joueurs. Et on va peut-être les entendre aussi un petit peu avant de revenir tout à l'heure. Peut-être l'occasion aussi de constater que le ciel est blanc et que l'arc-en-ciel est présent. Tout ça, c'est peut-être des signes divins qui vont peut-être accompagner cette équipe des Panthères du Gabon. On vous retrouve dans quelques instants. Seulement le temps d'écouter, d'entendre. Mais à vous, on vous confie la responsabilité de regarder, de liker, de partager cette séance d'entraînement que vous êtes en train de regarder, la séance d'entraînement des Panthères du Gabon. Et évidemment, Freddy Koula est à mes côtés, mais aussi à votre disposition pour vous donner quelques éléments de réponse à toutes les questions que vous vous posez. N'hésitez surtout pas à continuer à poser quelques questions. On va peut-être élaguer un tout petit peu encore sur l'effectif. On va arrêter de beaucoup parler, comme nous le dit le chef technique Fabrice Bekalé. On va simplement vous dire que ceux qui sont présents aujourd'hui, c'est le gros lot de l'effectif. On va détailler un tout petit peu. Vous avez vu là, dans le centre, il y a évidemment le début de l'entraînement avec du ballon. Et puis il y a l'entraîneur qui est juste en face, Patrice Neveu. Voilà. Et donc on a sur le gros de l'effectif, vous le voyez à l'écran, il y a Levi Madinda qui est présent, on a Gilles Chris Nguema qui est présent dans l'effectif, on a André Biyogo Poco, le Turc entre guillemets qui est présent, on a Lloyd Palin, notre arrière droit préféré qui est présent également. Vous verrez au centre du terrain, il y a le jeune Junior Assoumou Akwe qui a remplacé numériquement Aaron Apindangoye. On a évidemment de l'autre côté
le jeune Sydney Obissa également qui est présent. Il y a Yohan Wachter qui est ici présent. Et puis, il y a le jeune Faden Zenge qui a réussi à venir aussi pour pallier les absences. Évidemment, on est content d'être là avec vous. N'oubliez pas et n'hésitez pas à commenter le live Facebook, à laisser des questions. Le temps qu'on arrive à switcher pour répondre à toutes vos questions, on répondra peut-être au fur et à mesure de ce live Facebook. Mais sachez qu'on ne va pas pouvoir filmer toute la séance d'entraînement parce qu'on ne peut pas divulguer tous les secrets, mon cher Berlec. Mais encore une fois, on est très heureux grâce au ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la vie associative et surtout du comité technique autour de ce match-là et de la Fédération Gabonaise de Football qui a autorisé qu'on filme en exclusivité pour vous cet entraînement, premier entraînement des Panthères du Gabon ici au stade Monédan. Je suis bon. Si vous nous prenez à présent, mesdames, messieurs, sachez qu'on est en direct du stade Monédan de Siban. C'est dans le quartier PK9. Pour ceux qui connaissent la capitale Libreville, c'est un beau stade, un stade historique, un stade où, qui a vu passer pas mal de talents. Et évidemment, dans cette équipe nationale et dans ces, parmi ces joueurs présents, pour ce rassemblement, il y a quelques joueurs qui ont joué ici en championnat national en national foot. On pense notamment à Biogo Poco qui a joué pas mal de matchs ici avec l'USB à l'époque. On pense aussi au petit jeune que vous voyez juste là en face du coach Faden Zenge. Il y a également Gilles Chris Ngema qui avait commencé ses premières classes ici à Libreville. On pense aussi à Ochanga Emeka qui est présent. Et on vous remercie d'ailleurs pour toutes vos questions. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, laisser de gentils commentaires aussi. Posez des questions. Si on a des réponses, on va vous répondre. Je suis en compagnie de Berlec Lekoba. Si vous êtes un passionné de football, vous avez dû l'entendre les années précédentes sur TV+, avec Go Africa. Il était accompagné à l'époque de son acolyte Hervé Moulet. On va regarder quelques questions qui sont posées sur la page Facebook et on vous invite d'ailleurs à continuer à partager le live pour que le maximum de personnes profitent de cette beauté, de ce charme, de cette élégance, de revoir enfin notre équipe nationale. On est heureux de voir ces garçons sur une pelouse nationale. Souvenez-vous, le dernier match des Panthères du Gabon, c'était à Lisbonne. Après 11 mois sans compétition, les Panthères avaient retrouvé du terrain et enfin après 12 mois sans avoir, après 11 mois aussi, 11 mois et demi sans avoir foulé le pelouse gabonaise, on se retrouve ici au stade Monédan pour pouvoir regarder cet entraînement. Donc voilà, on va répondre quelques questions, on va répondre à quelques questions sur la page Facebook. Sur la page Facebook, il y a notamment une question, un compliment de Monsieur Fall Emery qui dit: quel beau stade, toi aussi Freddy. Oui, c'est un beau stade. C'est un beau stade parce que c'est une infrastructure modeste, un stade qui y est beau par son histoire. Évidemment, la pelouse, c'est une pelouse d'entraînement. Les Panthères ne vont pas jouer le match ici au stade Monédan de Siban. La pelouse de Franceville est encore meilleure. D'ailleurs, il nous l'a témoigné, le ministre des Sports Franck Guéma, qui était au stade lui-même, a dit qu'on jouera sur un stade beaucoup plus praticable que les précédents, sur un billard, il l'a dit, Monsieur Franck Guéma.
Et on remercie d'ailleurs pour chacun de vous pour leurs commentaires. Et Berlek et moi, on va vous entretenir pendant quelques instants, notamment le temps qu'on couvre le web parce que l'entraînement a débuté. Et on va peut-être on va de temps en temps peut-être switcher sur le live et le match, mais on va devoir faire un peu face caméra pour présenter les enjeux de ce match avec Berlek tout à l'heure. On va regarder quelques questions encore un tout petit peu pour voir est-ce qu'il y a des questions. Deux bonnes questions. Alexandre Doumbou, il devient quoi? C'est Claude Dany qui pose la question. Alors, ce qu'il faut savoir sur Alexandre Doumbou, c'est qu'il y a signé, et il y a 2 ans, bientôt 3 ans, un contrat en Chine, au Shanghai Shenhua, et il a choisi une autre nationalité que la nationalité gabonaise. Il est devenu alors, désormais, il n'est plus sportivement gabonais, il est sportivement chinois. Il a changé de nom, et quand on change de nom et on change de nationalité, mais évidemment, on peut plus jouer avec une sélection avec laquelle on a déjà eu des matchs, une sélection nationale. La FIFA est très dure sur ces questions-là. Et évidemment, on aurait bien aimé avoir Alexandre Doumbou ici avec nous et présent dans cet effectif. Lui qui, d'ailleurs, est en train de faire de très très belles saisons avec le Shanghai Shenhua. Alexandre Doumbou a été formé, évidemment, à l'Olympique de Marseille, souvenez-vous. Il avait fait de très belles classes avec les équipes de jeunes des Panthères du Gabon. Il avait, il y a quelques temps d'ailleurs, joué les Jeux Olympiques et réussi à qualifier le Gabon pour les Jeux Olympiques avec toute sa bande de ceux qui avaient gagné le tournoi Espoir à l'époque. Hein. Il avait joué les Jeux Olympiques en compagnie du père Aubameyang. Aujourd'hui, il a fait un choix sportif et donc il faudra peut-être ne plus rêver de revoir Alexandre Doumbou sur cette pelouse. Donc encore une fois, mesdames, messieurs, on est content de vous retrouver sur ce live Facebook proposé par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de la vie associative. C'est pour deux objectifs, pour que chacun d'entre vous renoue avec l'équipe nationale, pour que vous ayez des images exclusives de la préparation des Panthères, qui n'est pas une préparation secrète. Les Panthères ont retrouvé enfin la tanière, ont retrouvé la maison. Les Panthères ont retrouvé le Gabon, et retrouver le Gabon, ça signifie à nouveau communier avec son public. Et évidemment, vous le savez, l'information principale aussi autour de ce match, que les Panthères du Gabon vont jouer à huis clos à Franceville. Et puis, ce match à huis clos ne permettra pas au public d'être présent au stade de rénovation de Franceville. C'est pour des raisons de sécurité, c'est pour des raisons aussi de santé. Que la CAF a choisi, il faudra changer de bavette mon cher Berlek, mais c'est pour des raisons de santé, je le disais, que la CAF a choisi de faire jouer les matchs à huis clos sur tout le continent, même si on nous a dit hier, notamment Tony Bafoué, l'un des secrétaires généraux de la CAF, qu'il y avait la possibilité de faire un recours pour ramener du public au stade, mais on sait que le public gabonais est déçu de ne pas pouvoir assister à un match 11 ou 12 mois après de leur bébé, de leur joyau, qui sont ces footballeurs des Panthères du Gabon. Oui, c'est tellement, c'est un petit peu l'opium de ce peuple gabonais, cette équipe nationale. On connaît la ferveur de ce peuple, de ces supporters-là, derrière cette équipe du Gabon. Imaginez-vous, on va reculer un petit peu, la CAN 2012, la CAN 2017, on a vu l'engouement, on a vu la ferveur, on a vu le côté populaire de ce public-là. Et avec toutes les coupures, toutes les césures qui séparent l'équipe nationale de son public, évidemment, ces moments-là sont des moments de retrouvailles. Malheureusement, avec l'invitation malheureuse du Covid-19, ça ne sera pas possible. Et on a interrogé quand même un certain nombre d'acteurs, supporters. La déception est grande. On aurait aimé quand même qu'on ait au stade de Franceville une petite ouverture, une petite dérogation d'à peu près 5000 personnes, 7000 par exemple, comme en Europe, où on voit évidemment dans certains stades ou alors dans certains championnat, une ouverture qui permet au public d'assister à ces matchs-là. Malheureusement, ça va être compliqué. Le 12e homme sera absent, mais on espère que les Panthères vont pouvoir s'y faire pour pouvoir évidemment enjamber, aller au-delà de ce blocage, de cette difficulté, de cette absence de supporters pour pouvoir
remporter cette rencontre-là et faire plaisir à tous ceux qui seront devant la télé, à la maison ou à côté de leur transistor pour écouter cette rencontre comme il y a quelques années d'ailleurs. Évidemment, et d'ailleurs occasion de dire à ceux qui sont en direct de la page Facebook du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de la vie associative que le match cette fois sera bel et bien retransmis en direct à la télévision. Vous le savez, c'est une compétition de la Confédération africaine de football. Ça veut dire que le diffuseur officiel de la CAF et ceux qui sont détenteurs de droits auront la primeur sur ces matchs-là. Évidemment, pour ne pas les citer, mais le groupe Canal+ sera diffuseur de ce match et donc le match pourra passer en direct sur Canal+ pour ceux qui n'ont pas la possibilité évidemment d'avoir les chaînes locales. Et il me semble que la première chaîne aussi devrait avoir le signal télé parce que c'est ce qu'on appelle aussi les droits nationaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les Panthers joueront à Franceville. Ça signifie que c'est sur un stade qu'ils connaissent très bien, un stade qui sourit très très bien à la sélection nationale. J'avais la statistique. Ah mais oui, sur les 10 dernières années, les Panthers ont gagné 80% de leurs matchs sur ce stade. C'est surtout qu'ils n'ont jamais perdu sur stade rénovation de Franceville, un stade qui a porté bonheur même dans les années précédentes où le Gabon avait, je n'ai plus évidemment la date exacte, mais avait remporté une coupe régionale là-bas. Et il me semble que Franceville aussi porte bonheur à ces Panthères du Gabon-là. De la CEMAC ? C'était la coupe de la... Non, il n'y avait pas la CEMAC à l'époque, mais on disait la coupe de l'UNIFAC. L'UNIFAC, pardon. Me semble, à l'époque, il y avait, souvenez-vous, à l'époque, Pierre Obama également. Mais ce qui est intéressant, voilà, on va juste décaler la caméra pour éviter de voir. Alors, on va faire ça. On va faire ça pour. Bien sûr. Le temps que Fabas et toute la partie technique s'occupe de. On va expliquer pourquoi. Alors. Maintenant, il y a un dispositif tactique qui va se mettre en place. Bien sûr. Qui va se mettre en place. Donc, le coach Patrice Neveu et ses entraîneurs vont devoir maintenant, désormais, pouvoir mettre en place qu'ils veulent travailler pendant toute la semaine. Et ce serait dommage que nous, avec les belles images, évidemment, on a envie de montrer à tout le monde comment s'entraînent les Panthères, mais il ne faudrait pas non plus que l'on trahisse le secret, parce qu'il pourrait y avoir des amis gambiens qui regarderaient la séance d'entraînement et qui sauraient à peu près quel dispositif, quelle tactique va utiliser Patrice Neveu. On a vu les échauffements, on a vu comment ça commençait, on a vu un tout petit peu quel était un peu l'aérobic de chacun. On sait qu'ils sont affûtés, la plupart de ceux qui sont présents là. Et il y a une séance de training des gardiens juste à côté, mais ce qui est important pour nous, et il faut que vous le sachiez, mesdames, messieurs, c'était un plaisir et c'est un plaisir d'être avec Berlay Koba ici présent pour vous faire vivre une ambiance différente. Je vais peut-être enlever ma bavette parce qu'elle est cassée, mais ce qui est important de savoir, c'est que voilà, on voulait vous montrer cette ambiance. On est heureux d'être là parce que les Panthères, c'est notre joyau, c'est notre bébé, c'est la chose qui unit le plus les Gabonais. Et faire voir aux Gabonais cette ferveur interne, cet inside, c'est extrêmement important. Donc voilà, merci. Il y a des exigences, hein, évidemment, de la Fédération Gabonaise de football et qui ne nous permettent pas de vous montrer à cet instant la séance d'entraînement parce qu'il y a évidemment, comme disait Freddy, les éléments de mise en place tactique qui feront donc partie des secrets professionnels, on va dire ça comme ça. Et avant une double confrontation importante jeudi prochain face à la Gambie et lundi face à la même Gambie, évidemment, il faut essayer d'avancer masqué. Avancer masqué dans tous les sens. Donc voilà Freddy, tout a été un petit peu expliqué. Là, on est obligé de se remettre un petit peu du côté de la tribune pour cacher, on va dire, pour cacher, pour ne pas que vous ayez accès, pour ne pas que tout le monde ait accès à la séance d'entraînement et donc à la partie stade complètement, stade Augustin Monédan de Siban, sur laquelle évidemment les joueurs des Panthères sont en train d'effectuer cette séance d'entraînement, la seule qui se déroule donc ici du côté de Libreville, parce que à partir de demain mardi, évidemment, les Panthères vont s'envoler du côté de Franceville pour préparer donc la double confrontation, mais surtout la première partie de cette double confrontation, ce sera du côté de Franceville. Donc dans quelques instants, on va essayer de mettre un terme à cette retransmission parce que évidemment, il y a le côté
le côté Fédération Gabonaise de Football qui s'indigne un petit peu. Mais bon, on espère avoir donné l'essentiel. On espère avoir donné la possibilité aux Gabonais et peut-être même au-delà de voir les Panthères, parce que ça faisait quand même longtemps pour certains d'ailleurs, et de découvrir quelques nouveaux visages qui sont là avec cette équipe des Panthères du Gabon, dont notamment Fad Nzenge, le jeune, tout jeune ancien de CF Mounana, qui est donc appelé. C'est la deuxième fois, la deuxième convocation de Fad Nzenge. Voilà. De toute façon, on vous en parlera si on a la chance encore de suivre les Panthères, parce qu'évidemment, on a le gourou de la fédération, ils ont tout à fait raison. On n'aurait pas dû filmer l'intérieur des Panthères et le code par se fâchait un peu. Mais on voulait vous montrer ça et on est content de vous avoir montré ça. On a pris quelques risques, on s'excuse auprès de la fédération et du reste, mais on est content que les gens aient pu voir enfin de nouveaux visages au Gabon. On va devoir arrêter ce live parce qu'évidemment, tout ce qu'on voulait, c'était vous montrer une vingtaine de minutes d'avant pour vous montrer des visages, pour que vous soyez contents et que vous rentriez un tout petit peu dans l'aubain de cette sélection nationale. On vous rappelle l'agenda des Panthères. Mardi, ils prennent le vol pour Franceville, direction Bongoville, où ce sera le QG des Panthères du Gabon. Ensuite, le mardi, ils auront un entraînement à Bongoville. Le mercredi, ils feront une répétition générale au stade de rénovation de Franceville, avec évidemment tout ce qu'il y a comme contrôle technique, des passeports, avec les autorités de la CAF qui seront là aussi. Il y aura une point de presse, une conférence de presse d'avant-match qui sera certainement filmée et qu'on essaiera de vous montrer. Et puis, on va plonger dans le match le jeudi pour pouvoir voir enfin si on est prêt, si on est beau, si on est bien organisé pour gagner ce match face à la Gambie, parce que c'est le plus important, mon cher Melek. Merci d'avoir regardé ce live, merci d'avoir été avec moi. On remercie surtout. Merci beaucoup, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative, pour avoir permis donc à une bonne partie des Gabonais de suivre ce live. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à tous ceux qui nous ont regardés? Eh bien, une bonne victoire des Panthères du côté de Franceville. Et puis une victoire du côté de Banjul, pourquoi pas, pour assurer évidemment avant les 5e et 6e journées, parce que là ça sera l'Angola et la République démocratique du Congo. Je crois qu'il va falloir assurer dès maintenant. Bien sûr, mon cher Bélac. En tout cas, merci à toi d'avoir été avec moi. On remercie d'ailleurs toutes les autorités qui se sont mobilisées déjà pour que Franceville soit une vraie terre d'accueil. Je pense notamment à l'armée qui va être mobilisée certainement, à tout le personnel sanitaire qui va être mobilisé. D'ailleurs, les tests Covid qui continuent à se faire, notamment du côté de Petit Paris, comme on dit, au gymnase des sports, au palais des sports. Et puis, on remercie également le ministre des Sports, encore une fois, qui nous a permis d'être là et qui va certainement être encore un porte-bonheur pour ces Panthères. Ciao les amis. Merci et à bientôt.